Bienvenue à l'épisode 5, voilà, on grandit avec Papa Spino, Maman Spino, non c'est l'inverse, Maman Spino, Papa Spino. Bah, je grandis à peu près là où j'ai grandi dans l'épisode 1 en fait. À peu près, hein. Bon, il y a mon vrai papa là, ma vraie maman, je sais pas où elle est. Hein. Et j'ai les petits frères, petites sœurs. Ok, bon bah on va grandir ici, ça m'a l'air plutôt... Plutôt serein. Le seul truc en fait qu'il y a ici, le problème c'est niveau de l'eau, vous voyez. Je peux pas boire. Je peux pas boire parce que le jeu est extrêmement bien codé. Wesh. Et comment on fait du coup? Là, j'ai pas besoin d'eau gros. Il m'a demandé si j'avais besoin d'eau mais... Ok. Compliqué quoi. Ah, c'est hyper prévenant ça. Ça, c'est hyper prévenant. Bon, bref, je pense qu'on va se reprendre quand je serai adulte. Hein. Je vais grandir avec les Spino en protecteur. Un père, une mère. Et puis on essaiera d'attaquer de nouveau ce troupeau. Mais bon, compliqué, compliqué. Hein. Bon, bah là, commence à y aller. T'as moi, frérot. Voilà, ça, c'est mon grand frère. Il a un peu grandi. Mon petit frère, je sais plus. Ou mon père, ma mère. Non, c'est mon père peut-être. Bon, je sais plus. Fait bref, il y a les Spino qui se casse, donc on va le suivre. Alors un peu ce qui va se tramer avec lui. Je te suis bro, je mangerai tes carcasses. T'inquiète pas, je suis gentil. Voilà, je suis un peu son toutou quoi, donc il va direction Great Falls. Great Falls c'est à ma gauche, hein, là-haut là. Ouais, je suis à 85%, je suis pas encore totalement adulte, mais bon. Ah, on va commencer à s'y diriger. Au moment où j'arriverai, je serai presque adulte. Dans tous les cas, ah, il va pas avoir une grosse diff. Bon gars, hein, tu m'aides hein, par contre. Il a l'air de s'en foutre de moi, mais à un point, genre même pas, jamais il me regarde. Oui, en effet, il s'en fout, il veut même pas venir à Great Falls, il attend un pote à lui. Vas-y gros. Hein. Vas-y gros, je t'abandonne, je te laisse dans la merde. Hein. Là, t'en fous. Bon bah écoutez, je vais aller tout seul, tant pis, je vais pas l'attendre. Hein. En vrai, il est trop lent quoi. On va commencer à se diriger vers Great Falls. Et on va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a en espérant qu'il y ait toujours le troupeau. Avec des bébés bien juteux. Qu'on va pouvoir goûter. Adieu Spino. Adieu. À la prochaine. Ça y est, je suis de retour. La hantise, la terreur Erérazorus. Et de retour le troupeau. Alors. Allez Spino. Peut-être ma famille, ça. Coucou les gars. Gentil, hein. Vous vous rappelez de moi? On a grandi ensemble. Ouais. Bon, du coup, il y a toujours le troupeau, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Regardez, ils ont peur de moi, ils crient. Eh ouais. Bon, on va un peu checker ce qu'il y a dedans, on va faire le tour du propriétaire. Je vois qu'il y a quelques nids. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de juvets hatchling pour l'instant. En tout cas, il y a des nids, donc ça va pondre, ça va sortir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vas-y, le Maya, déjà. Commence pas à m'embrouiller. Hein. Ouais, là-haut, il y a des gigas. Il y a des gigas qui montent voir les Spino. Regardez, regardez. Tout le monde se précipite pour le spectacle. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, ok. Là, ça se juge. Hein. Là, ça se jauge. Plutôt que juge. Parce que juge, bah, c'est un autre mot, quoi, tout simplement. Non, bref, là, ça se jauge. Il y a les gigas qui sont là. Qui ont de travers les Spino. Deux Spino. Il y a trois Spino en tout. Ok, ça s'engueule maintenant. Et les Spino, ils sont pas bien. Hein. En vrai, les gigas sont plus forts que les spinos, les gars. Ils sont beaucoup plus forts. Hein. Il y a 3 gigas. Hein. Il y a 3 gigas. 3 spinos. En vrai, c'est chaud comme combat. Hein. Mais bon. Herrera, reporter en mission pour vous raconter ce qui se passe sur ce serveur américain où il n'y a que des fous furieux. Ok. Bon. Allez, les gars. Hein. Il tente de nous donner du spectacle. Il est temps, il est temps. Là, pour l'instant, ça se jette des regards en croix. Mais pas plus, hein. Ça se crie dessus, ça se jette des regards en croix. Et moi, par contre, vous me laissez tranquille. Hein. Ne touchez pas. Il y a qui me touche le but. Ouais. Ouais. Oh, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Il y a un gigafou qui a attaqué.
Ouais, mais aussi pourquoi vous battez dans les arbres? On voit rien là. Bon, les gigas attaquent, hein, donc il veut... Vas-y, t'approches pas quand même, toi. Oh, il y en a encore un qui attaque là. Regardez, regardez! C'est des fous! T'approches pas, je te dis, le giga! Touche de but! Un autre qui attaque! Ouais, ça y est, ça part en cacahuète. Ça y est, la guerre des titans! Oh mon dieu! Qu'est-ce que ce tram? Ah, ça y est, c'est le combat! Combat général, mon dieu, c'est n'importe quoi! Ah, les Spino qui crient de douleur! Oh, il y en a un qui est mort! Il y a un Spino qui est mort, ah, ça continue! Mais c'est quoi ce bordel? Oh, il est pas bien lui! Je suis coincé! Vas-y, lâche-moi l'arbre! Qu'est-ce que ce tram? Oh, il y en a un autre qui est mort! Non! Ma famille! Bande d'enfoirés! Oh, il reste un Spino tout seul! Ouais, c'est des fous furieux, c'est des malades! Et il va crever! Salut Maya! Toi aussi tu regardes! Eh, c'est un truc de fou! Mais le Spino, là, le giga, il faut qu'il se casse! Laisse attaquer les autres, bro! Ah, je leur donne des conseils alors qu'ils sont en train de détruire ma famille. Foiré. Ouais, il est pas bien lui. Ouais, mais le Spino il est mort. Putain, en vrai. Ouais, il est mort. Eh, les gigas, c'est abusé. Ils viennent de tuer 3 Spino. Hein. Il n'y en a aucun qui est mort. Il n'y a aucun giga qui est mort. Ouais, les mecs, ils gèrent. Hein. Ok, vous venez de détruire ma famille, bande d'enfoirés. Putain, les gigas quoi. Sérieux. Salut le chante. Et ils continuent, regardez-les! Ils attaquent un Kama! Bon, on est beaucoup plus tard, hein. On est beaucoup plus tard. Mais c'était fou, les mecs! Bon, après, un Kama tout seul, c'est quand même plus faisable, hein. Plus simple que 3 Spino en vrai. Mais ouais, c'était fou furieux, ces gigas là! Ouais, le Kama, il est pas bien quand même, hein. Il est pas bien du tout. Ah, ils font semblant d'attaquer tout, ils se débrouillent bien, les mecs, hein. Ou les filles, c'est pas. Ça peut, hein, ça peut, ça peut. Mais ouais! Ouais, c'est des ouf! C'est des ouf! Mais par contre, le Kama, c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud à attaquer. Bon, Herrera Reporter, hein, je vous raconte encore une fois l'histoire de ce qui se passe autour de notre troupeau qu'on n'a toujours pas attaqué, quand même. Mais là, pour l'instant, bah écoutez, 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 on a du spectacle. Salut toi. Ok. Et y a personne qui l'aide le Kama, c'est abusé. Pire troupeau quoi. Le pauvre. Ouais mais là il est quand même foutu en vrai. Hein. C'est une question de temps mais ils ont juste à le laisser bleed et il va crever. Les gigas sont trop forts contre le Kama. Les gigas sont trop forts. Hein. Faudrait qu'il arrive à caler un stomp mais bon c'est pas dit que ça s'arrête hein, vu ce qui s'est passé avec les Spino tout à l'heure. Hein. Il en tue un, il continue quoi. Vas-y, vas-y, le pouvoir t'a rend pas fou. Hein. Bon, les gigas, c'est devenu mes nouveaux maîtres. C'est bon, j'ai oublié les spinos. Je mange leur carcasse, hein. Du coup. Ils me donnent quand même pas mal à manger. Trois spinos, c'est le ventre, hein, ça. Mes frères et mes sœurs qui sont morts, que j'ai bouffé. C'est gratuitement, c'était cool. Et là, maintenant, on va manger du Kama, hein, j'ai l'impression. On regarde ce qui se passe. Oh là! Et ouais, ça c'était une feinte d'attaque. Bien sûr, le Kamak c'était une feinte d'attaque. Il voulait lancer un stomp probablement pour pouvoir le croquer tranquillement quand, quand il peut plus bouger. Mais bon. Bah, vous là-bas, le troupeau, hein, franchement, vous êtes cool quoi. Vous aidez même pas. C'est abusé quoi. Pauvre Kama, c'est terrible. Là, le giga a pris un peu cher là. Mais le Kama est vraiment pas bien, hein. Vous voyez, il bleed de ouf. Ah, il va mourir. Hein. Il va mourir. Hein. Terrible quand même. Terrible que de voir cette scène. La violence des dinosaures sur Nublar est assez incroyable. Hein. Eh, mais c'est giga quand même. Ouais, ils portent leur balls, ça. Ils portent leur boule, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais finissez-le par contre, c'est terrible ce que vous faites. Achevez-le. Ah, il aurait pu stomp là, c'est dommage, il aurait détruit. Allez, voilà, et là,
Là, ils vont l'attaquer. Ils vont l'attaquer. Vous voyez, la lancer sans stomp, c'est une technique. Tu le fais stomp. Et après, tu vas le croquer trois fois. Et puis voilà quoi. Et puis tu lui fais très mal. Aïe 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 aïe. Terrible scène de chasse à laquelle nous assistons. Ah là, il va décéder, hein. Il est tout rouge. Il est tout rouge, le pauvre Kama. Mon Dieu. Valediu. Valediu, quelle scène d'horreur. Baborn, c'est un peu lent, les gars. Tuez-le, hein. Ah, le stomp fatal. Le stomp fatal. Bah voilà, bah c'était sûr. Hein. Ils ont buté le Kama, quoi. C'est abusé, hein. Eh, c'est abusé, c'est des fous, ces gigas là. Ils tuent tout le monde. Enfin, ils tuent pas tout le monde, mais ils gèrent, quoi. En vrai, ils gèrent de ouf, hein. Ah, bravo, les gars. Bravo, les gars, quand même. Ah! Alors. Bon, je crois qu'on a des nouveaux rois. Les nouveaux rois de Great Falls sont en train d'arriver. Alors, les gigas. Bon, moi, je change de propriétaire. Voilà. Le bon petit groupe de T-Rex là qui se ramène. Alors les gigas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le combat cette fois-ci ou pas? En vrai, il n'y a que trois adultes, hein. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Tu es ouf! Vas-y, reste calme. En vrai, il n'y a que trois adultes, donc on va voir s'ils vont avoir peur des Rex ou s'ils continuent à faire les patrons là. Allez-y les Rex. Et fumez-moi ces gigas là. Montrez au monde ce que c'est un giga. Ils font les malins contre tout le monde, mais jamais contre un Rex. Montrez votre puissance, le Tyrannosaurus. Allez-y, fumez-les. Non? Non. Vous faites rien. Utah, non, je suis pas un Utah, je suis un Herrera. Herrera reporté encore une fois. Clash des Titans, épisode 3, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon ben voilà, il y a du contest. Et voilà. Et les gigas se cassent. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose quoi, c'est incroyable. Aïe 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 aïe. Et voilà. Regardez-les. Fuyard, enfin. Quoi? Non, en vrai, ils ont été vaillants, ces gigas, mais bon. Ouais. Comment dire que. Voilà. Ils sont loin, ils se cassent. Cri de peur. Et les T-Rex. Les T-Rex dominent désormais. Great Falls! Bon, c'est pas tout, mais moi, je suis quand même là pour, à la base, chasser les. Le troupeau. Enfin, les juvéniles. Ancrer la terreur dans leurs âmes et dans leur cœur. Donc on se met en position de chasse. On regarde s'il n'y en a pas un qui s'éloigne un peu du troupeau, là il y en a un. Mais il est trop dangereux à aller chercher, c'est dommage. Ouais, petit truc là, tout minuscule. Mais bon, ça c'est pas possible. Bon les gars, faites quelque chose. Sortez de chez des jupes de vos mères. Pas possible cette histoire là. Il faut accomplir notre destin d'Herrera. Détruire ce troupeau. Non, peut-être pas là, peut-être un peu excessif. Mais au minimum réussir à chasser un juve quoi. Merde. J'en ai marre de manger des carcasses. Je suis un chasseur. Un charognard, un reporter, mais un chasseur aussi. C'est bon. Ouais, personne. Des gangs. Là, il y en a qui sont au milieu, mais putain, s'ils sortent pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire là là là, j'ai entendu crier. Oh lui! Ah non, c'est un adulte. Là j'ai rien dit, c'est bon, reste tranquille. Par là-bas là, j'ai entendu un truc crier, non? Y'a quoi là? Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi? Bon, Diablo, on sait que ça fait mal, un bébé Diablo, donc. Et c'est trop lent à tuer en fait, le problème, c'est ça? Oui! Oh lui! Voilà, il est mieux, il est mieux! Vas-y, vas-y, va défendre ton bébé. Va défendre ton bébé. Oui, voilà, c'est exactement ça, la diversion. La diversion pour attaquer.
Le petit Maya là. Aïe aïe aïe. Vas-y, t'inquiète, tu vas crever, je te bouffais mon pote. Je suis trop rapide, je suis trop rapide. Vous pouvez rien faire contre moi. Vous pouvez rien faire. Ah putain, vas-y, c'est pas possible quoi. Oh, les mecs, ils se téléportent ou quoi? Ils se ramènent tous à une vitesse. Vas-y, je peux faire une attaque éclair. Je peux faire une attaque éclair, c'est possible. Hein. C'est ma force, c'est ma force. Voilà, il y a maman Maya qui se ramène. Tout le monde se ramène. Il y a des chantes. Après, les chantes, ils peuvent pas défendre. Ils vont tuer tout le monde s'ils défendent. Ils sont pas assez précis, quoi. Vas-y, vous rendez fou! Ouais, bah crie, j'ai bouffé ton petit, tu vas voir. Putain, c'était pas mal ça, ils ont tous. Encore un giga, vas-y, mais cassez-vous les gigas. C'était pas mal la diversion sur le petit Diablo pour attaquer le Maya. On va checker, il doit être en bleed. Y'a plus personne. Ah, mais il est mort. Ok, je l'ai eu. J'ai eu, vas-y, bah lâchez-moi maintenant, je veux bouffer mon dû, vas-y. Vas-y, cassez-vous. Cassez-vous, j'ai trop galéré pour chasser là, laissez-moi le manger. Vas-y, barrez-vous. Barrez-vous, wesh. Des fous ce troupeau là. Ah bon, il y en a marre maintenant. Je veux graille. Je veux grailler. Non, en vrai, ça y est, j'ai réussi. Hein. J'ai réussi, objectif accompli. Bon, après, si on peut toujours se tenter une deuxième chasse, pourquoi pas. Hein. Ah, cri gentil, ok. Vas-y, ouais, mais vous mettez en pression aussi. Hein. Regardez ça. Enfin. Bon, j'avais pas trop faim, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Enfin. Aïe, 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 aïe. Et un Maya juve, du coup, c'est faisable en deux coups. Franchement, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. C'est quand même compliqué, tout nous one shot. Bon, je pense qu'on va rester là un petit moment, puis on va attendre une autre erreur. Hein. Une autre erreur de juvénile isolé, apeuré, qu'on pourrait griller. En fait, je suis tellement là à manger que. Oh, vas-y! Oh mon dieu, oh l'allosaure! Oh. Je disais, je suis tellement là à manger que ma carcasse a despawn avant même que je la finisse. Donc on va retourner faire un petit tour dans le troupeau, voir ce qui est comestible. Ah, vas-y le Maya, casse-toi toi. Et lui il a pas digéré que je suis son fils ou sa fille ou je sais pas quoi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pas grand chose hein, j'ai l'impression. Je sais pas, je vois personne. Eh mais casse-toi le Maya, qu'est-ce que tu veux? On pas fou. Bon vas-y, je vais aller là. Tu vas pas me suivre ici le Maya, hein? Tu vas pas me suivre. Salut les Rex. C'est moi, vous en souvenez? Ah, gentil Rex. Gentil Rex. Yes. Vas-y, je vais manger un peu. Vas-y, casse-toi, toi. Eh, mais faut pas m'approcher, hein. Moi, j'ai peur. J'ai un petit truc, je meurs hyper vite. Je suis obligé d'avoir peur de tout le monde, donc m'approchez pas. Bon, là, c'est pas très rassurant, quand même, hein. Je suis à 2 cm de sa bouche. Mais bon, tranquille. Ils savent que je charogne tranquillement, sans faire de soucis, sans poser de problème. Merci, les gars. Merci, ciao. Ciao ciao. Ok, les Rex ils ont fini leur carcasse. Ils passent à l'attaque là. Ils passent à l'attaque. Le troupeau en panique. Le troupeau en panique. Hein. Du coup ça peut être intéressant là. Ça peut être intéressant parce qu'ils mettent un peu le boxon. Ils désorganisent le tank qu'est ce troupeau. Donc du coup il y a peut-être moyen de passer au milieu et de mettre un petit croc. Mais par contre toi arrête de venir me coller à chaque fois. Hein. C'est pas possible. Et du coup, bah vas-y, mais. Bah, c'est des jeunes Rex, ils sont curieux, d'accord. Bon, les gars, faut attaquer. Hein. Faut attaquer comme ça, vous désorganisez tout ça, et moi je chope un juvénile au milieu là. Non? Yo! Eh, hey, lui, le Maya là, c'est un fou, hein. Il a la haine contre moi. Dès qu'il me voit, il me fait un cri agressif. Je sais pas si c'est le même. Ouais, c'est vraiment dangereux, vous voyez. Il y a des. Regardez, il me court après, c'est un fou. Il y a des. Oh, il y a un petit maillage, j'ai vu là. En fait, c'est dangereux parce qu'il y a des. Il y a des dinosaures partout. Ça peut arriver à droite, à gauche. Donc, vraiment faire gaffe. Enfin, la désorganisation, c'est peut-être pas un si bon truc. Hein. Faites quoi, les Rex?
Vous abandonnez? Après, j'avoue que le troupeau est quand même vénère. Hein. Là, il y a quoi? Il y a 3 rex full adulte. Oh, il y a 3 rex full adulte, c'est vénère. Même 3 rex full adulte, c'est vraiment très très vénère. Soit ils jouent comme des débiles et ils foncent dans le tas et ils en tuent un. Soit ils essaient de jouer un peu intelligemment et là, c'est très 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 compliqué parce que. Il y a quand même de la bonne bestiole hein, dans le troupeau. Bon, du coup, ils sont allés voir par ici. Moi, je suis éclaireur. Petit allosaure. Yo, l'allosaure. Famille de chantes aussi, pas facile les gars. Hein. Là les rex, compliqué pour eux. Hein. Moi je charogne mais va falloir bouffer. Hein. Va falloir attaquer. Hein. Yo. Eh ouais, gentil. Vous avez vu, tout le monde est gentil avec les Herrera. Tout le monde. Bon du coup qu'est-ce qui se trame par ici là? Y'a qui? Donc des chantes. Ça c'est un triceratops ça non? Vas-y, montrez-vous. Ouais, Triceratops ici, ok. Ok. Chante. Oh, chante en PLS là. Oh, deux chantes en PLS là. Mais deux chantes en PLS, plus deux trikes, plus un chante qui va bien. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je pense que les Drakes n'attaqueront jamais ça, c'est trop compliqué là. Surtout ici, tu te prends un stomp. Par contre, je suis un peu dans la merde là, non? Oh. Oh mon dieu, j'ai failli faire le saut de l'ange. Hein. J'ai failli faire le saut de l'ange. C'est vrai que la rotation de l'Herrera est pas ouf hein. Et pas folle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Sabres qui se fait attaquer. Ah bah. Voilà. Voilà, surprise. Surprise, motherfucker. Il y a toujours un gros qui traîne à côté, c'est pas mal. Franchement, la scène était pas mal hein. L'Allosaure y a cru. Aïe 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 aïe. Bon bah on va charogner de l'Allosaure hein. Là toi. Ah, ça paraît, t'es fait un peu fracasser la tronche. Hein. Bon, charognons l'allosaure et puis après on retournera voir le troupeau. Hein. On retournera voir le troupeau si les rex sont loin. Ok. J'ai vu un truc par là-bas. J'ai vu des Mayas isolés partir avec des petits là. Yo, salut toi. Il est là, il est là. Il est là, vous l'avez vu. Attendez, attendez. Gardons notre calme. À l'attaque! Oh, je suis tellement à la ville que je sais même pas si je l'ai mordu là. Pour un niveau stable, hein, vous voyez, c'est pas fou là. C'est pas fou, j'en ai pas beaucoup. Ils sont un peu isolés. Ils sont un peu isolés là, c'est bien ça. Bah, que tu veux le Rex. What? Pourquoi il pourra après lui? Vas-y, casse-toi. Vous voyez, hein, vous voyez pourquoi j'ai peur, j'ai raison d'avoir peur de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les îles Maya. Où il est? Ah putain, ils sont tous venus, ça y est quoi. En plus, il y a un Rex qui les protège en plus, what the fuck. Regardez le chant qui se ramène. Il y a quoi? Il y a deux Mayas, je crois, qui le protègent, j'arrive pas à voir là. Ouais, deux Mayas, maman, papa qui protège le bébé, putain. Compliqué. Après, je suis extrêmement rapide. Hein. Je suis extrêmement rapide, là, il y a moyen que je fasse une accélération, je les distante tous et je chope le petit derrière. Hein. Pour le petit, je sais pas où il est, s'il est au milieu, je sais pas. Je sais pas. J'ai plus rien à bouffer. Même si je crois que je suis pas très faible, mais bon, c'est pas grave. C'est parti! Ah, esquive droite gauche! Bam, 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 bam! Il est là! Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Vas-y, laissez-moi! Cassez-vous! Voilà. Barrez-vous maintenant! Ah mais c'est celui qui a la haine contre moi, lui! Vas-y, casse-toi! Casse-toi, bro! Ah non, il me court après, là! Vas-y, dégage! Putain, j'ai plus d'âme! Dégage! C'est bon, tu vois pas, je te distance! Tu vois pas, tu peux rien faire contre moi! Non, bah, je suis dans la merde, en vrai, là! Si vraiment il me suit! Vas-y, lâche-moi! Oh putain, il a la haine! Il veut me tuer, je crois. Ah, je suis trop dans la merde. Il peut abandonner, hein. Oh, il essaie de me frapper. Il peut toujours abandonner. Aïe. Bon, j'ai plus de stam. Je suis mort. C'était une bonne série, hein. C'était une bonne série. Oh mon dieu. Oh là là. Et ouais, bah ouais.
Ouais, lui depuis le début là, il me jette des regards en croix lui aussi là. Bon, franchement ça c'était cool. Franchement le gameplay RERA, j'ai bien kiffé. J'espère que vous avez bien kiffé aussi, c'est vachement fun. Pourquoi pas essayer de faire un gameplay à plusieurs, ça peut être pas mal aussi en vrai. Pour essayer de disperser les troupeaux, foutre un peu le boxon. Mais sinon, ouais, bah, j'espère que ça vous a plu. La fin de la série, cette fois-ci, va pas renaître de ses cendres. On a accompli notre mission. On a tué deux juvéniles. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Allez, tchuss!